Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Invasion! Hier, dans la de la doute, la police débarqué dans la boule 12. Mm-hmm. Et 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Ça dit la aïe aïe aïe. Information. Hier, il y a 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Donc la police attaquait bandits dans la boule 12. Et je dis encore qu'il y a une opération de la police dans la boule 12. Combien même? Et monsieur, monsieur, paniquez dans la doute. Mm-hmm. Maintenant, la question. Est-ce que qu'on y a-t-il appris avec Iso pour renforcer la boule 12? Non, assurément. Ok. Parce que et même Iso, Hello. Même je Chris Labgoumé, alors sous deux fois, Labgoumé en bas, Labgoumé en l'air avec les gueux, et puis c'est oui, les gueux, la boule 12, c'est tout. Voilà. Mm-hmm. Donc, la boule 12, mais nous, la boule 12, comme en tant que jeune, il était fait parce que hier, la police débarquait, effectivement, il y a 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Il y en a deux, c'est le chef là. Qui est le bombard, donc quand vous voyez ce qu'a passé aujourd'hui, le cadre de nouvelle opération, la police a mené la boule 12 aujourd'hui. Alors, vous savez, qui dit tout, la police a mené une opération tout dans Rémi, dans la zone côté, et 400 Marozo, lui-même tout, il a pas avéré. Oui, quoi la bouquet? Parce que c'est un gros problème entre éléments sans jour, avec un certain sévère. Ok? Et un certain sévère. Sévère là, il y a cette année qui est proche de Yon-Yon. Qui c'est tête et Katana Ozoa qui je dis à Doké qui est en prison et donc yeah. Son bataille qui pratique nous entre eux. Même si on a eu même son bataille là, son bataille interne. Okay? Son bataille interne. Et l'homme s'en joue débarqué dans Rémi, monsieur ramasse le monde, et puis il fait sa boule faire, donc et puis il installe basé dans Rémi, et puis il installe basé dans la cité de Doudoun. Donc normalement là la police appelle. Mais comment nous, quoi la boucle, c'est chaque jour. La police est tirée, il y a un nom de bandit. Bon, on l'a pas parlé dans la presse. Ok. Ok, maintenant, okay. Katana Ozoi. Et parce que ça, oui. Mais il y a un nom de bandit. Et Louko, et Katana Ozoi, là, tout. Il y a une enquête de territoire qu'on y a tout. Il y a établi tentacule là, sur toute zone pleine là. Sur toute pleine là, il y a mis et pieds dans chaque zone. Information, Josué, l'exilio. Information, c'est à toutes. Information Esaïe César. C'est 22 fois et 2 gangs qui sont dans la capitale de la zone. 22. Le capitale là seulement. Seulement. Aïe aïe aïe. 22 fois et 2 gangs dans la capitale là seulement. Ça nous est comme si Matisse avec Village de César. Non, c'est 22 gangs dans la capitale là. 22. Ça nous est ça où nous puissions connaître. Oui. Si nous avons la demande de la vérité, Village de César. Mais c'est 22. 22. Ça veut dire que le dossier de sécurité pays d'Haïti a son gros dossier lié. Ok? Et, monsieur, la police, dans mon appareil là, il faut que je dise que les policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout perdu de promotion et puis ils ont barré et comment ils ont fait ça? Ça a barré, reprenez encore. Les policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout perdu de promotion et puis ils ont barré au prime de risque. Dernière information. Mm-hmm. Tout policier qui était en opération boulet la caille barbecue. Vous savez, il y a des policiers de Mouyamba. Ouais, ouais. Tout policier qui était en opération boulet la caille barbecue, il va avoir une promotion et puis il va avoir une prime de risque. Alors, moi, c'est des images du côté là, côté il y a des policiers qui chutent avec examen, mais comme si tu as à bout dans la bataille là, bien entendu, la police pas communiqué et c'est même ça eux-mêmes. Et image ça yo montre bah là alors goumé en red en bas là Delma José Lexido information pirate information la police fait renforcer par des experts la police fait renforcer par des experts non seulement ça. Est-ce que vous voulez que, comment c'est dans tout, quel blindé, Jovenel Moïse achète l'autre jour là, peut-être 2 millions coûtés en total. Quel blindé a coûté 2 millions de dollars en total? Là, je dis que ça.
comment même de comment 15 millions de cas fait coûter 2 millions de dollars et du la blende de même vous avez d'ailleurs où t'es le résultat la première test c'était pour la première fois puis la première vote bourré ouais la première vote bourré où t'es le résultat est-ce que là comment 15 millions de dollars coûte 2 millions de dollars et du la blende de même parce que ça passe on te parle de ça Louko ici comment faire des alors des matériels pour la police c'est pas des experts de la PNH qui acheter ou du moins conseiller ou du moins faire acquisition c'est des civils palais national et c'est pour le palais national et pour le gouvernement il te m'a conseillé une question de l'indésaïe parce que comme la fête de bien tout le monde est sur la gare des gars ouais ok la gare des gars tout le monde est sur la gare des gars information dans la rapide c'est bien monsieur qui est 11 jeunes de blinde qui a sorti mon réel dans son cabine là sorti là avant de là pour 10 jeunes de blinde qui a sorti mon réel c'est pour ça un bon bagage blindé pour la guerre bon bagaille avec support américain mon frère bon là bon bagaille attendez quand vous êtes là-bas avion ah bon bagaille ça veut dire Josué mes amis madame monsieur remarquez les dents c'est marqué des babounes d'endé parce que c'est nous qui avons vérité là tout y patience ok j'aime bien dire le matin des babounes maintenant donc il faut nous faire un petit sacrifice ok parce que avec le fonctionnement la police ça a fait la connerie là. Il va marcher sur l'ISO, il va marcher sur Grandville, et il va marcher sur 4 Marozo, il va marcher sur toutes les gangs qui vont battre la capitale. En tout cas, il n'est que d'attendre que les populations vraiment les locaux et pas capable encore et ils ont à bout de souffle parce que écoutez, des gens sont là chaque jour à manger et ce bataille la fête et j'en dis au moins de petite patience que petite patience et puis bataille la fête et libérer les pays de gens vraiment qui empêchent les gens de vivre dans le pays. Loco. Et j'en dis à José Lekidop et bien maintenant tout si vous pensez à ma baille par les nationaux. Monsieur Guimantou avec le président Jovenel Moïse, faut que quand vous soyez là et courant soit fait dans la route. Priorité à la sécurité. Ok, il y a juste un qui était pour deux de journée nous là. C'est pas cette ligne qui question de sécurité. Oui, ça c'est une priorité. Attendez, c'est pas ici aujourd'hui, mon bon matin. Combien de temps de matin? Capteur va gagner combien de temps son courant, combien de temps son route? Il arrive? Il va mourir pour ça, ouais. Il va mourir? Mais insécurité, même si on veut le courant, comment la faire à jeu? Non, à baguer plus gros conseil, non de cabaye là et loukou. Parce que là, parce que dans le moment là, et pas courant, mon préféré mon nom était dans Blackout, j'habite Chavel. Et pour le moment, nous avons été sans vrai, j'en dis là, parce qu'il habite Chavel, il n'est pas mouru. Au lieu qu'il a perdu la vie, chaque jour, on va coûter ça, m'a dit. Donc, pour ce qui est sur le wagon, sur question de wagon et route, on a fait 4 ou 4 pour les gars, on a fait 4 pour les gars, question insécurité. Donc si nous avons quitté ma pays, va te donner ça dit la quitter pays en fait. La quitter pays donc la sécurité. Et Louko, Louko, Louko. Oui. Et gagne un bagage dit là, m'dame un font petit bac sur lui pour nous laisser comprendre. Entre anciens et monde qui était dans le secteur privé avec petit ayo, petit nouveau. Et d'abord ou même politique ancien c'est secteur privé t'a fait est-ce que si moun ouais politique ça compte payan y même t'a aimé faire on l'autre politique est-ce qui connaît contradiction est là c'est parce que c'est parce que ça dans de l'autre tu n'as du secteur privé pas même mal avec donc de tout ça dans le secteur privé il y a deux classes il y a deux groupes OK il y a quatre catégories dans le secteur privé. Ok, le secteur privé des affaires. Les quatre groupes, les quatre catégories. Vos catégories, c'est des conservateurs. Ok, qui sont là avec M. Duvalier, et puis qui là, on a c'est des conservateurs. Ok. Qui ont l'autre catégorie, ça c'est la deuxième catégorie, hein, qui c'est des progressistes. Conservateurs, lui-même, il va arrêter à changer lui-même. Voilà. Il y a un business, classe noire dans le business,
pourquoi nex a tout pour notre discours les progressistes du secteur privé est-ce que là ok on fait tout nex a tout bon tu machin d'âge par là de neuf il a fait gouba il a fait de la montée de son les progressistes vont faire dans les pays ok donc on les progressistes du secteur privé et dans le pays a changé et le gouvernement là dedans pour qu'il attache malheureusement jusqu'à présent pour capable de résultats. Troisième catégorie c'est les anciens en fait pour des gars du conservateur et tout les anciens la fait l'ancienne génération est-ce que là et puis quatrième catégorie c'est la nouvelle génération est-ce que là donc la nouvelle génération les paroles bagaille au même genre avec ancienne génération et nouvelle génération toujours dit à pas oublier les plus vieux peuple à tout parce que pas oublier ancienne génération même dans tout il y a deux qui partent même de faire l'école en Haïti l'ancienne génération ça c'est clair cela va aux autres côté aux autres là ils viennent là et puis ils vivent ils installent mais la nouvelle génération ils étaient Saint Louis ils étaient lycée français ils étaient l'école à terre là avec Tinek qu'est-ce que là ils ont plus prégnés en terre donc ils ont plus prégnés par tout que l'ancienne génération donc nouvelle génération eux-mêmes aujourd'hui là ils ont essayé de garder tête sur face à pays et que pile bagaille que l'ancienne génération de bonne fête on voit que les nègres de nouvelle génération c'est le privé qui n'est pas d'accord avec eux et il y en a de l'autre, c'est la fin question à nous. Parce que nos nouvelles générations, quand tout le monde connaît tout que c'est des mecs dans cette génération qui baillent les âmes dans le pays, qui décident les âmes dans le pays. Ok. Et nos nouvelles générations, on a la première, parce que Bissi Sapkazé. Parce que Bissi Sapkazé est venu par rapport à la politique. Est-ce que là? Oui. C'est plus le business qu'il a fait eux-mêmes. C'est plus le business qu'il a fait eux-mêmes. Mais t'as comme grand-père à parler de la politique. Et le grand maire de la politique, papa de la politique, on a vu ça. Pour ça, peut-être que l'ancienne génération de Gondre. Pour que ça je dis, la question que nous devons se poser, madame, monsieur. Pour que ça je dis, Américains ont supporté le président Jovenel Moïse. Ils ont couru que des nègres de secteur privé qui ont financé gang, et des nègres de secteur privé qui ont fait gang, qui ont fait gang ZAM, et des nègres de secteur privé qui ont trafic ZAM, le trafic de munitions. Ils ont couru. Maintenant, la question aujourd'hui, pour vous poser cette question, pour les Américains, par exemple. Oui, directement, on dit bon, voilà. Le signal doit venir d'Haïti. Ma boy, il faut quitter. Eh bien, madame, monsieur, vous ne m'attendez pas. Le cas du dossier de Dimitri Vop. Pour ça d'abord même, Dimitri va extrader là en Haïti là. Et Jovenel Moïse, il va être le défi ça pour Dimitri Vop, pour une question de la justice là aujourd'hui. Qui s'est passé? Les Haïtiens font action. Ils font action contre Dimitri. Il dit bien, même nous m'avons cherché, nous ne l'avons pas eu. Qui sont les Américains fait? Les Américains vont arrêter Dimitri Vob. Sous base, la justice haïtienne qui a cherché. Non. Quand tu avances sur les gars, comme Américain lui-même, comme Américain était dans la tête de la force politique avec Haïti, comme Dimitri était un dossier immigration qui n'est pas clair, nous profitons de Dimitri dans la prison pour un jour, sous dossier immigration. Yeah. Est-ce qu'on a? Ouais. L'IKEBEL n'a pas pris un bon vieux sous dossier d'immigration et puis il se dit, monsieur, ah, tu vas sous ma cola, on va descendre à Haïti. Mais alors, parallèlement, il peut profiter de ce côté ordonnance. Côté ordonnance sous dossier d'immigration, il m'a dit, non? Qui juge qu'il n'y a pas de l'obéir là? Et depuis ordonnance a sorti, qu'on a l'État, il ne s'est pas réagi, et puis Américain va pas réagir tout. C'est pour nous, bien, madame, monsieur, c'est ça n'a pas les liages aux élections. Blé bagay la vin kabou la. Non. Tout nèg. 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 Yè mè. Yè mè tèm d'abdi nan matèlè ba. Tout nèg kouè blan. Agi sou yo direktèman an Haïti. Tande bien oui. Sou le monde. Tout nèg kouè blan. Ke Amerikè. Pren desizyon kont yo an Haïti. Sous des ordres de son implication dans la question politique en pays, c'est parce que tout simplement c'est américain. Ouais. Et il y a pas d'appétit par eux. Au projet international, là, dimanche matin. Et moi, juste dit que c'est ce que je me dis et tout. Je dis, mais ça me déconnait comme information dans matin. Mais c'est ce qui est normal, c'est ça me déconnait. Mais on va d'accord avec moi, n'importe quel monde n'est droit. Et dans 8h du matin, dans 9h du matin, c'est normal. Et puis, il y a un droit. Pas à l'aise dans 10h, 11h. C'est normal pour n'importe qui qui arrive. Diogène, soit tu es connu, c'est que tu es au courant que le président a gagné anti-grippe.
dimanche, là, m'a parlé de dimanche. Dans dimanche matin, allez. Dans dimanche, parce que là, nous faisons un paquet après dimanche, là. Mais là, m'a parlé de dimanche. Maintenant, et puis, l'homme qu'on a dit, bon, comme moi, dans la réunion, on va finir sur la réunion pour qu'on connaisse la guerre. Et puis, de là étant, quand on a dit ça, retourner ma pelle là. Comme moi, j'étais en circulation, moi, j'ai le temps de m'arriver. Maintenant, je viens de l'île dans la soirée, et puis je dis que le président n'est pas pour le bien. Maintenant, je viens de gagner tout ça qui fait problème là, c'est que il y a un tweet qui d'ailleurs qui dit que le président a expliqué Corona, etc. Et puis, il fait bénéficier un passeport, etc. Et il parle parti, il doit quitter le pays, il attend l'urgence incessamment de quitter le pays pour le faire pas. Mais mes amis, et si on monte Corona dans la matinée, il y a deux médecins qui ont trois façons capables de faire test Corona. Premièrement, on appelle par voie nasale, comme si on a un objet en pleine et ça lui-même, nous avons un journaliste qui était équipé de secrétaire d'État, et qui était perdu matin, malheureusement, pour que nous ayons un peu de nouvelle solidarité possible. Maintenant, et ça qui a fait par voie nasale là, capable de détecter lui dans 15 à 20 minutes. Mais quand il y a des variétés de circulation là, ou capable de faire ça par voie nasale là, et puis ou pas un virus ça, et puis très juste, l'on fait l'autre deux questions, et bien ou est virus ça, il même bien dedans. Et ça, il prend minimum 24 heures de temps, d'après sa médecin dit, pour être capable de détecter est-ce qu'on fait COVID ou non. Et bien quand il y a si dans l'après-midi, mes amis, et le président, si c'est pour ça qu'il va bien, et puis, même côté, il y a tout bail, mais qui maladie fait. Mais quelque part, ça, même, pour me l'avoir là, tout le monde n'a pas dire, parce que je ne connais pas. Ça, c'est un. Moi-même, moi, je suis plus spécialement là, pour me dire, pour me dire, effectivement, qui ça va aller. Pour question passeport, par exemple, n'importe citoyen, il y a un droit à un passeport. Ça veut dire que, bon, ou même, ou ne doit pas choisir voyager, parce que tu ne pas renouveler. Terrenel, ou ne doit pas choisir voyager, ou ne doit pas pourquoi voyager, parce que tu ne pas renouveler. Mais si vous choisissez, eh bien, ou bien, pour aller au médecin, ou bien pour aller régler activité d'affaires, ou entreprise, business, etc., eh bien, ou ne doit avoir, il n'y a pas d'interdit ça, non? Eh bien, même Jacques Joseph Fujas. Dimanche, je dimanche, nous prenons l'immigration, l'été, contre ça, oui, et puis on marche pressé, et puis on ouais, a un représentant en famille, et dans des machos, donc tout ça, il y a des inquiétudes qui sont capables de lier avec tweet qui était sur les réseaux sociaux pour te faire connaître que l'ancien président frappé des coronavirus. Là. Bob, nous devons bagaille bien. Si pour ça, Bob, c'est vous représentant d'un pays. Et puis pendant ce fait journal là, et puis tout le monde est en débat qui a fait ce journal là avec l'État, avec tout ça qui est comme connaissance, comme complicance de Péronel et guerrier. Et puis, subitement, et puis il y a un bon pour malaise. Tout le monde a gardé ça au café là, parce que nous n'avons pas fait du bon. Eh bien, mais maintenant, et nous connaissons dans quelle situation que son santé en Haïti. Quelque part, c'est ça moi qui veux comprendre, c'est dire que son bagage est normal. Mais qu'on y a. Et ça qui est essentiel dans tout ça, c'est que les grands ensemble de médecins, MP Diguerrier, ça, qui étaient déjà météo disponible pour les représentants nationaux là. Et depuis notre dimanche, dans la soirée, moi recevoir information qui dit que santé président stable. Mais c'est pas ma team, c'est la vérité. Qu'on y a. Pendant ça, c'est un grand ensemble d'examens. Que l'on doit faire, même si c'est moi, si c'est des guerriers, si c'est des Joseph, si c'est des Jacques. C'est pour ça que je connais. Et voilà, il fait en attendant pour un bilan médical. Ah ben, hier soir, le représentant national a réuni personnellement à 9h11, il dit que, mais qui s'est là. Le bilan médical là, révélé que, parce que l'équipe était fait hépatite déjà. Ah ben, dans le bilan médical ça, il y a que gagné une évolution de hépatite. Ça a fait encore là, et c'est ça qui avait créé des paniques, ça qui était gagné, qui a créé malaise. Maintenant, comme bilan médical là, il révèle ces hépatites,
deux mêmes médecins, parce que bon premier groupe médecin qui est haïtien, qu'on deuxième groupe médecin qui est cubain, eh bien, ils ont dit, pour des cas, eh bien, et causé par ce qu'ils ont fait, il y a une fois qu'ils ont fait, et leur bilan médical approfondi, plus détaillé, pour que ils soient capables de certitude que effectivement c'est en face une situation comme ça oui. Ben c'est ça oui par cause d'ailleurs. On y a et dis-moi, moi dis ben ok, moi dis mais gagne et parole qui a parlé pour déplacer etc. Dis-moi que la situation de là, des pour nous même médecins ou pas sur terre. Et on y a ensemble de spécialistes. Et je dis à la mes amis, en clair, on même moi des cousins moi qui fait cancer. Dans l'hôpital que le fait opération ici là, que dit suite là pour que j'ai capable de survivre. C'est le Dominicain de l'année. Ça veut dire que c'est capable de répéter chaque jour dans le pays. Ça veut dire que moi gagne et proche moi qui gagne qui t'es souffri en maladie. Je dis que je n'ai pas de traitement ici. Ça veut dire que nous connaissons aujourd'hui là, qui des spécialistes qui pas disponibles dans le pays là, pour que même gens aux États-Unis par exemple. Il y a des spécialistes comme si il y a des gens qui ont des corps. Ils disent que c'est Cuba ou quoi de tout. Ils disent que c'est Allemagne ou quoi de tout. Le ancien président a testé positif au coronavirus. Justement, mais donc, dans le bilan médical, ils n'ont pas révélé ça. Ils ont seulement vu que c'est hépatite. Et ce que nous apportons, c'est lui-même qui est personnellement hier soir, bon, à 9h11. Après ça, le gym. Si la population voulait, eh bien, lui tape dans le moment de santé stable, lui mange, lui dormit, il évolue très bien. Maintenant, résultat. Est-ce que dit, est-ce que situation méritait une autre intervention au déplacement rapide? Et puis, tu as gagné et marché pressé ça au niveau de l'immigration pour le président et jeune passeport. Moi, explique-moi, ça fait ça. Mais ça, il faut me déployer des exemples. Moi, tout ça. Je dis encore. Je veux dire, pendant ma parole là, si médecin yo m'a dit pour que le président déplace, pour que la vérifie, la continue à faire des examens, ou à force de bas là, ça veut dire quelque part, il a l'appel. Si on dit qu'il n'est pas obligé de déplacer tout, alors il n'a plus déplacé. Ça veut dire que, son bail est simple. Ça veut dire que la question de passeport, etc., ça n'a pas qu'un parce que n'importe haïtien a un droit à un passeport. Mais là, on a parlé. Ton chef, dont le monde qui préside à deux reprises à la pays, là, mes amis, je crois que c'est normal. C'est normal quand même. Mais tout simplement, et ça qui fait nous mal, et ça que fait Dr. Yabata Alcide mal lui-même, c'est parce que malgré l'effort qu'il fait pour que la situation sanitaire pays a maintenant état ça, bon, malheureusement, c'est la nouille. Et lui-même, il partage ça avec moi pour dire que et c'est ça qui fait, et on a pu dégager nos comptes, M. Jean-Jacques là. Un deuxième pays dans l'hôpital de qualité de calibre pour que effectivement même si nous pouvons arriver avec gagner et tout et spécialiste dans notre discipline mais n'a fait autant d'efforts que possible pour que effectivement nous arrivions doter l'hôpital de l'UNIFA de ensemble d'équipements pour que effectivement n'a joué qu'à finir là pour que le monde en situation difficile le monde pas qu'à jouer soit approprié à bon qu'on est bien hôpital UNIFA. Johnson parce que pour être capable de résumer donc effectivement président Jean-Bertrand c'était un malaise qui était poussé équipe li Alphon passeport en urgence dimanche. Gagné un examen qui fait qui révélait que l'hépatite que le souffrant li évolué et gagné l'autre examen puis approfondi qui le fait. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.